Et bien salut mes petits cochons d'indons, c'est Xeska et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle aventure sur Resident Evil 2 Remake par l'air. Bon, allez. C'est le moment... préjudiciable, j'ai presque envie de dire. Bon, j'avais dit que j'allais tester un truc. Alors à mon avis ils doivent être sensibles, mais je suis pas sûr. Parce que j'ai jamais réellement essayé ça. Donc on va essayer, ça se moto, hop, on va équiper les flashs. Et on va essayer de passer les monts monstres sans forcément prendre trop de dégâts. Enfin je l'espère. Est-ce que j'ai un... Ah, j'ai même pas... Ah, quoi que d'en avoir un là-bas, je pense pas l'avoir. Ah, si je l'avais pris. Bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer ma lucette. T'es toujours mort toi? C'est bon. T'es toujours mort. C'est bien! J'aime les monstres qui restent morts. Ouais, il est là. Vite. Vite! Il y a des popées il y a 2 secondes. Le dernier épisode. Nani? C'est quoi pour que ce soit plus là? Hein? Pourquoi il est plus là? Ah, du coup j'ai pris mes grades pour rien moi. Génialissime. Adore ma life. Je vais prendre ça. Double emplacement. Reste couché gros, reste couché. Reste couché mon gros, ouais c'est ça, ouais c'est ça. Tirez. Ah. T'es mort? Ouais t'es mort. Comment ça fait qu'ils sont déjà là? Mais what? Recule! Ah, tu m'as loupé. Oh là, qu'est-ce que j'adore amputer les membres. C'est tellement bon. C'est tellement bon d'avoir une arme à munitions infinie. Mais ça va tellement pas m'aider sur la fin. Bon. Allez, reste là. Ok. Couché! Petite amputation des jambes, s'il vous plaît. Putain. Je comprendrai jamais pourquoi Capcom a voulu foutre autant de balles nécessaires juste pour tuer un monstre, en fait. I can do this. I can do this, yes! La clé. Une. Alors, il y a de la poudre. Il y avait quoi encore? Il n'y a rien. Encore des munes, tant mieux. La bonne poupoudre. Alors je me rappelle même plus où ça mène ça. Ah si, je me rappelle où ça mène. Bon, on a techniquement pas besoin ici. Poum 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 poum. Allez, boum, saleté, meurt. Regardez-moi ça, il revient à la vie encore. Putain, allez, mais meurt quoi. Merci, moi là je suis sûr qu'il est mort. Voilà. Des bonnes grenades acides. Tu vois d'ailleurs je suis curieux, j'ai jamais fait ça en fait. Parce que vu que je connaissais par cœur le trajet avec Léon, j'ai
J'ai un peu fait le mec qui... Bon, un couteau, je m'en branle. Qui suivait pas réellement le chemin, donc... Ah. Ah. Des trucs normalement ici. C'est vrai qu'il y avait une grenade ou quelque chose dans le genre qui est là, mais apparemment non. Ah, bon, de toute façon, on a techniquement pas besoin de redescendre ici. Hein. Ah, je pue! Mais d'accord, qu'au-dessus y'a rien. Bon, je prends ça. Et on retourne à la safe zone. Oh putain! What? À cause de toi, j'ai gaspillé une putain de grenade flash, connard! Bon, on va voir si le gros est là maintenant. Hein. Quoi, cette embrouille? Ah, d'accord, il est parti voir là. Ah, ça tombe bien, j'ai pas besoin d'aller là-bas. Bon, les malus, ça c'est la guerre. On va d'abord tenter la tactique du on va stun les mobs et on va courir. Et accessoirement, croiser les doigts que ça marche. Après, il y aura forcément la confrontation avec William. C'est dommage parce que la Spore perd un petit peu tout son sens quand à partir du jeu du moment qu'on connaît le jeu par cœur. Un petit peu dommage, mais bon. Il y a des gens qui râlent en mode tu triches. Et alors, je finis le jeu en grade S. Si j'ai envie d'utiliser une arme à munitions infinie, j'utilise une arme à munitions infinie. Hein. Ça vous plaît pas, tant pis, hein. Pas mon problème, hein. Moi, je suis là pour m'amuser, hein. Est-ce que je prends quand même mon lance-grenade avec moi? La grande équation de la vie. Attendez, si je prends le lance-grenade, imaginons, et des cartouches incendiaires avec moi. Il me reste 4 emplacements. J'ai quoi? Une grenade. Imaginons que je me fasse infecter. Ce qui pourrait être le cas, hein, si je ne m'as jamais. Ah, vous savez quoi, YOLO, on y va. Je doute fort que le lance-grenade sera réellement efficace contre ces mobs. J'ai un petit peu rushé ce passage la dernière fois avec Claire. Ah. Oh, oh, je vous jure. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver une gamine, quoi? Bon, allez, encore faut y aller, faut y aller. Caméra de flash en équipé, nice. Ah. Parce que vous voyez quand je vais arriver. Voilà pourquoi. Hé, tiens. Pas que les grades, c'est bon pour la santé. Ils ont mis un zombie? Bande d'enculés! Lui, il avait pas pop quand j'avais fait le truc! C'est quoi ce bruit?
merde, je crois que j'ai fait le con. Ou peut-être pas. Attendez, parce que... deux emplacements... petit zombie. Salut. Pourquoi est-ce que Capcom a tellement déconné sur les dégâts infligés, à devoir infliger pour pouvoir en tuer un quoi. Je veux bien croire que c'est des zombies, mais dans tous les putains de films d'horreur, à chaque fois que t'affrontais un... Oh, il y en a un là aussi en plus. Bah, lui, il a l'air d'être mort. Attendez. Mais regardez-moi ça. Mais bordel, pourquoi tu te relèves? Je t'ai mis 500 millions de balles dans la tronche et t'arrives encore à te relever, quoi. Tu vas trouver à tous les coups, non ? 500 millions de balles dans ta face, mais même avec Léon, tu prenais pas autant de balles. Ah. Ah. Combien qui va se lever dès que je vais arriver ? Ouais ! Qu'est-ce que je disais ? Allez, mais die, quoi. Putain, mais regardez-moi ça, quoi. Ça, c'est vraiment l'incompréhension que j'ai avec ce Resident Evil 2, quoi. C'est vraiment le nombre de balles abusives qu'il faut mettre pour tuer juste un petit zombie, quoi. Voilà. Fusil électrique. Alors, cette arme plante des broches métalliques dans votre cible et vous permet de lui infliger des décharges électriques aussi longtemps que vous pointez l'arme. Attention, si vous étiez trop de courant électrique à travers les câbles de l'arme, ils se couperont. Ok. Reste mort, hein, toi. J'ai foutu où ma reine. Bon, on va un petit peu abuser de la greu. La reine, c'est... Non, c'est... Putain. Chaque fois, je confonds la reine et le roi, ça me coule, ça me casse les couilles. C'est vraiment trop facile quand on connaît. C'est pas pour autant que je fais pas chez moi de sauvegarde. j'ai tout sur moi. Tout sur moi. Oh, je l'avais pas vu elle. Allez, on y va. On y va, Jean-Jacques. Bon, l'avantage c'est que techniquement je peux faire une droite. J'ai encore mon couteau sur moi. Ah merde, je suis empoisonné, putain. Putain, je peux pas passer. Allez, allez, Claire, allez, 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 on se dépêche, Claire. Ah bon, il y en a qui a débarqué ici. Allez, salut. C'est bon, on a fini le jeu. Good. Ah,
moi j'estime qu'à partir de ce passage là, dès qu'on l'a passé, le jeu il est terminé. Parce que le reste n'est pas forcément des plus difficiles, surtout quand on connaît tous les codes. Il va falloir dire bonjour à Willy maintenant. Ah, Willy! Willy! Qu'est-ce que je n'aime pas ta vie? Bon, ici, je dis, ça servira à rien. On va déjà reprendre ça. Ça, on va stocker. On va déjà déverrouiller la porte. Alors. Donc, déjà la tour. Ici. J'en suis sûr et certain. L'arène est en face. L'arène, Zelle. Sauf que le fou. Si je dis pas de bêtises. Non, le fou était bien mis, je crois. Non, attendez, le fou, je crois qu'il était bien mis. Ça a échangé. On va quand même relire dans le doute, hein, parce que bon. Alors, à côté, la tour est à côté du cavalier, mais pas en face de la reine. Ah, mais pas en face de la reine. Le roi n'est pas à côté de la reine. Mais pas en face de la reine. Donc ça veut dire que la reine, techniquement. Attendez, mais pas en face de la reine. Le roi n'est pas. Le roi, il est en face du cavalier. Donc le roi est en face du cavalier. Donc si la reine n'est pas en face de la tour... Non, putain! Oh, je déteste cette ligne de merde! La tour est à côté du cavalier. Ça, c'est fait. Le cavalier, il est là, la tour, elle est là. Mais pas en face de la reine. Le roi n'est pas à côté de la reine, mais en face du cavalier. Donc ça, c'est bon. Le cavalier n'est pas à l'endroit indiqué. Comment ça, le cavalier n'est pas à l'endroit indiqué? Comment ça, le cavalier n'est pas à l'endroit indiqué? Hein? D'accord. Bon, bah, c'était plus facile sur Clara, ça c'est sûr. La tour est à côté du cavalier, mais pas en face de la reine. Comment ça le cavalier n'est pas à l'endroit indiqué? Bon, ça laisse que de logique, ça voudrait dire qu'alors... Ah, à tous les coups, le cavalier... Le cavalier, alors, je suis quasi sûr qu'ils ont été le foutre sur... genre ici ou une connerie dans le genre... La question c'est, est-ce que c'est entre les deux? Donc là c'est quoi? Là c'est la reine. Ça veut dire que le fou pourrait venir ici. Ah non, attendez. Il a dit quoi sur le fou? Non, il n'a rien dit sur le fou. Le roi n'est pas à côté de la reine. Voilà! Eh ben dis donc, c'est bien sympathique de nous dire que tel ou tel truc est en face, mais qu'au final c'est pas réellement en face, c'est à côté, etc. Magnifique, hein? J'adore. J'adore comment Capcom, ils adorent essayer d'induire en erreur les gens, quoi. Vous pensez que j'ai assez? Il me faudrait plus de soins.
Je commence vraiment à tomber en rate de soins maintenant avec Claire, c'est un truc de fou. Bon, ça devrait le faire, je pense qu'on est lourdement armé là quand même. On va privilégier la mitraillette au début, je pense. Ah, c'est vrai, j'ai oublié qu'il était des herbes sur le chemin aussi. Bon, là, c'est très bien que c'est fermé. Ah, bah, il y a une herbe verte ici. Nice. C'est très bien, il faut aller là-bas. Ah, il y a une herbe verte ici. Alors, je tente. Non. Ouais. Bon, allez. Hein. Salut Willy. Willy est de retour. Putain, je t'ai foutu à côté quoi. Allez Willy. Ah merde. Comment ça, je brûle? Allez, on y va. Ah, ils ont gardé un maximum de soins quand même. Tiens d'ailleurs, option. Audio. Ok, il est déjà là. À terre, c'est une grosse blague là. Merde, ça a pas suffi. Quoi? J'ai même pas eu le temps d'ouvrir l'inventaire, bitch. Ah, bordel! Ah,
Allez, on balance! I'm so sorry, Sherry. This is taking forever. Brr. Putain, le coup qui m'a mis, oh. En mode, hey, salut, ça va? Genre, il m'a même pas laissé le temps de me remettre, quoi. Rien du tout, hein. C'est genre, eh, vas-y, je te respecte pas, hein. C'est... nique ta maman, quoi. Sherry? Claire? Sherry, are you all right? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him... This conversation is over! Wait! Wait! I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Oh, why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Ned said her lab's not far. Wait, that cable car. Hold on, Sherry. You're gonna be fine. Almost there, Sherry. We're almost there. Oh, good. The cable car. Here. Okay. Hold on, Sherry, okay? You're gonna be just fine. Okay, better check everything. There's no turning back. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. Brother gave it to me. You know it's supposed to be lucky.
don't know what I'd do without you. Are you kidding me? You were doing just fine without me, so I came along and got you all sorts of trouble. I have something of yours. I don't want it. Really? Why not? So pretty. It's from my mom. For my birthday last year. All I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but... Hey, Sherry, come here. Hang in there, okay? Now, arriving at next. It's okay. I've got you. Come on. I'm getting you treatment. Just hold on, Sherry. It's okay. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Okay. Here you go. All right. Now what? There's gotta be something here. Antiviral agent. That's it. That's gotta be it. Hey, Sherry, I gotta go. You stay right here though, okay? I'll be back soon, I promise. Oui, je reviens, ma petite chérie, t'inquiète pas. Ouh, quoi des grenades. Hey. La radinité des grenades dans le jeu quand même. Bon. Le problème, c'est que maintenant, je sens venir un truc gros comme un camion. C'est-à-dire qu'à mon avis, tous les codes ont sûrement été changés. On va voir si l'identification, c'est comment ça marche. Merci. Il est où le... Ouais, là, mon cul gros. Putain, j'ai quasi rien récolté en tant que munitions gros calibre. Vous vous rendez compte que j'en ai que 60, quoi. C'est pas des masses, hein. Quand ton cœur fait boum. Mmh.
toute façon, à tous les coups, il est pas mort, hein. Faire quoi sans tes jambes, connard? J'ai rien oublié là. Ah, c'est quoi que j'ai oublié là? Cartouche à aiguille. Ah, d'accord. Ah, ok. Ça, c'est pour le fusil électrique, à mon avis. Parce que j'ai pas utilisé. Je suis trop nul avec ce genre de flingue. Une couille drôle, ça en soi, il est sympa, mais bon. Oh, de la poudre. J'essaie de garder un maximum de grenades pour plus tard. T'as encore un couteau, quoi. J'ai raison là ou pas? Ah ouais. Ah putain, j'avais zappé qu'il avait une armure, ce con. Yay. Pour le bidule, justement. Là, y'a rien du tout. On se balade dans le laboratoire de Umbrella Corporation. Là où tout va mal. Là où tu vas perdre tout espoir. Maître Demo. Oh, what? Techniquement, je peux le prendre. Ouais, on va quand même garder des grenades, hein. In the east area. Mais comment le jeu est radin sur les grenades, en vrai. Pourquoi c'est la zone du laboratoire la plus chiante, c'est vrai. Enfin, quoi que non, c'est vrai que le... Ah. Ok, on le reçoit ici. So, antiviral agents in the west area. Important, faut le garder sur soi. Bon, c'est bizarre qu'on le reçoive aussitôt. Très très bizarre même. T'auras un bras en moins. Ouais, c'est ça, ok. Alors. Voilà. Hop là. Maison blanche va se lever. Oh, je m'en... De toute façon, il a pas la codification, techniquement, il peut pas venir. Je dis bien techniquement. Allez, Claire. T'es la meilleure Claire. D'ailleurs, je trouve que le scénario de Claire est peut-être même le meilleur, en vrai. D'ailleurs, je vais changer. Mettre en tenue alternative parce que j'ai envie de voir son petit shorty. Ouais, le petit shorty. Yeah. Avec les bobottes. Tiens, j'ai rien oublié là-bas. Bouge ton outil, Claire. Bouge ton outil, yeah. Bouge ton outil.
Yeah. Ah non, j'ai cru que la plateforme était morte. Je te dis que c'est bizarre. La destruction a déjà eu lieu. Bon, j'ai quand même sortir ma fiche. Un instant, sur mon PC. Putain, est-ce que j'avais foutu ma fiche, moi? Voilà. Voilà, parce que pour les codes... Déjà, on va voir si c'est les mêmes ou si ça a changé. Mais à mon avis, ça risque d'avoir changé. Bienvenue à Plantland. À Plopsaland. Bienvenue à Plopsaland. Au fond du fun. Comme dirait le joueur du grenier. De bonne poupoudre. Ouais. Y'a rien d'autre dans le coin. Médoc. Les carreaux de la drogue. Ah, c'est fermé, ouais, logique. Ah, y'a TV. Du CRT. Enfin, du cathodique, pardon. Bon, je pense qu'on a assez de soins encore pour l'instant. Merde, c'était de quel côté? Par là. Bienvenue au laboratoire de Brella. Niquez bien vos grands-mères. Oh god. That's terrible. Oh yes, that's very terrible. Senior staff clearance required for computer access. Marie ou l'autre. Jesus. Elle est bien grillée à plan plante, hein. Bon, voyons voir si les codes ont changé. Alors... Ah, les codes ont changé. Bordel de merde. Ah, je savais qu'ils allaient nous faire un truc comme ça, c'était obligé. Dispensing solution now. Ça, on s'en fout. Code. Oh merde! Attendez un instant. Ok. J'ai mon petit manuel avec moi. Ce coup-ci, je vais le noter. Alors. Donc on a un espèce de truc comme ça, avec ça, deux carrés,
le truc là. Et deux bandes. Ok. J'ai pas mal de fin. Oh merde! Donc attendez, est-ce que je me souviens encore? les deux carrés, ça et ça. Yes. C'est dans le genre de cas que je déteste ma vie. C'est dans le genre de cas que je déteste vraiment ma vie. Oh bordel. Pas dessus, hein. Promis, hein. Allez, salut. Ok. Ok. Je suis pas sûr que les grenades acides soient efficaces contre eux. Je vais utiliser celle de feu, mais bon. Ah! Cette zone. Bien entendu, y a pas le courant. Ah oui, hein. Non, c'est pas drôle, hein. On va aller si on s'en branle. Regardez, on dirait Annette. Annie. Connasse. Arrête mon couteau. Bon, bah la suite ça sera pour le prochain épisode, hein. À tous les coups. Putain, j'ai plein de grenades. Remarque, ça pourrait être peut-être pas mal en vrai. Je vais quand même reprendre. Ah, quoique ça on l'a jamais utilisé en vrai. Vous savez quoi? Pour le prochain épisode, on va le tester. Bon! Allez mes petits loulous, sur ce je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la oui attitude, comme d'habitude les gens pour vos culs, vous connaissez la chanson, vous connaissez le dicton, je vous laisse, je vous fais le plein de partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sur ce ciao bye, bouti bouti, et que l'amour du PV soit avec vous. Peace.